représente l'association donc, qui s'appelle Vegan Impact, donc, qui est le but de promouvoir le véganisme. Et le véganisme, ça passe aussi par la protection de l'environnement. Donc la marche contre Monsanto, ça nous semblait tout à fait indiqué en fait pour refuser, vu qu'on mange que, on ne mange pas de produits animaux, donc on mange que ce qui vient de la terre. Donc Monsanto est en train de s'employer à pourrir notre terre, donc on est contre ça. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour crier haut et fort que être vegan, c'est aussi refuser Monsanto. Voilà. D'accord. Et vous êtes une association basée ici sur Paris ou Ouais, on est sur Paris, ouais. On fait des actions pour dénoncer l'exploitation animale dans un premier temps et aussi axer donc, sur l'environnement, comme je le disais, mais aussi sur la santé. Car le véganisme, c'est ces trois piliers-là, en fait. Être vegan, c'est extrêmement bon pour la santé, ça réduit le risque de pas mal de maladies. Et au niveau de l'environnement, l'élevage intensif gaspille énormément de ressources. L'élevage intensif gaspille énormément de ressources, donc on est là aussi pour montrer que être vegan, c'est bien pour les animaux, mais c'est aussi faire un geste encore en plus pour l'environnement. Et donc refuser Monsanto, c'est aussi faire un geste pour l'environnement, qu'on soit végétalien ou pas d'ailleurs. Donc nous, on en profite pour à la fois crier notre haine, c'est de la haine, contre Monsanto et à la fois promouvoir le véganisme. Je te remercie. Merci à toi. Bonne marche.